Bonjour, donc aujourd'hui nous allons voir le montage du chariot sur l'aile, une opération pas toujours évidente, qui est un peu technique. Donc j'ai préparé mon chariot prêt à recevoir l'aile. Par l'avant on soulève l'aile, voilà, on vient la mettre à l'horizontale et on va venir positionner le chariot, voilà, pour pouvoir mettre la pièce d'accrochage en place. Quand on a fait ça, on passe le boulon. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on a fait le plus dur, en fait, remettre les écrous. Voilà. Et la sécurité. Voilà. Ensuite, on passe le câble de sécurité qui vient faire deux tours. Voilà. Il vient donc se fixer sur le boulon en dessous. On enlève juste l'écrou. Voilà. Et on le remet. Ça c'est la sécurité d'accrochage. Voilà, on serre un peu, hein, ça rien de trop serré. Et on met la cingle de sécurité. Ok. Donc là on a sécurisé l'aile. Avec les vis de sécurité, celle du haut. On a le câble de sécurité qui vient se prendre dans celle du bas. Vous voyez qu'il fait deux fois le tour, qui fait un tour autour de la quille. Deuxième étape un peu difficile, ça va être de monter l'aile sur le chariot. Alors la technique c'est de se mettre assis sur le chariot en avant. Voilà. Et là on va passer la roue derrière la barre de contrôle à ras. Voilà. Et là on va monter l'aile. Alors il faut prendre l'aile, l'emmener comme ça. Et après avec le tube avant, voilà, on vient le mettre à sa place. Voilà. Donc là, l'aile, elle est en position. Voilà. Et on va venir sécuriser le mât à l'arrière. Voilà. Voilà. Toc. Il reste à sécuriser la barre avant. Voilà. L'aile est montée sur le chariot. Je vais donner la règle. Voilà. Le montage de l'aile sur le chariot est terminé. Ça prend 5-10 minutes. Bon bah à bientôt, à tout à l'heure pour le démontage.